Pour terminer ce journal, je vous propose moi de partir dans le Val-de-Marne, à l'est de la capitale, visiter une maison qui dans quelques mois sera détruite car elle se trouve sur l'une des futures lignes du métro du Grand Paris. Avant cela, ses propriétaires, un couple d'artistes, ont choisi d'ouvrir une dernière fois leur demeure aux visiteurs, invités à découvrir une exposition baptisée « Permis de démolir ». Reportage signé Jean-Marc Ganel et Bastien Coquel. Bonjour, bienvenue sur notre exposition immersive Permis de démolir. C'est parti pour un petit tour de ce lieu haut en couleur. Vous avez en face de vous une très belle œuvre posée par Demoiselle MM qui a dialogué avec Tétard Street. Candice Zastera connaît très bien l'endroit car c'est ici qu'elle vit, mais plus pour très longtemps. L'exposition Permis de démolir est une sublimation de ce lieu, un hommage final que l'on rend à ce lieu avant de le quitter et qu'il soit démoli. La maison et le petit théâtre accolé seront bientôt détruits dans le cadre du projet du Grand Paris. Alors ce couple d'artistes propriétaires a eu une idée, en faire un musée éphémère. Au départ, on a contacté quelques artistes qu'on aimait bien leur travail. Et puis, dans la rencontre, le mot s'est passé quelque part entre les artistes, qui ont ramené d'autres artistes encore. Une centaine d'artistes ont investi la maison, les chambres et même la salle de bain. 650 mètres carrés d'espace intérieur et extérieur pour exprimer leurs talents variés, jouer avec les lieux ou faire passer un message comme ces portraits en soutien aux femmes iraniennes. C'est toutes les personnes qui ont bien voulu être photographiées avec une fleur représentant justement une idée de liberté pour toutes ces femmes. Des créations avant la destruction, une opposition enrichissante pour ces visiteurs. Faire de quelque chose d'anéantissant, de s'en servir comme un élan, moi je trouve ça magnifique. Les gars et les filles qui ont peint sur les murs ont leur histoire aussi et que c'est génial, je trouve, de venir découvrir ce qu'ils font. Vous avez jusqu'à samedi prochain pour découvrir Permis de démolir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Scène de ménage et Chasseurs d'appart sur M6. Passez un bel après-midi, je vous retrouve ce soir pour le 19h45. Retrouvez M6 Info sur vos réseaux sociaux.